qu'il y avait dans le cinéma? Parce que j'ai vu le film pour la première fois dans un autre cinéma. Il y avait Philippe Risoli, mec, dans le cinéma. Il a toujours son micro avec lui. Il n'a pas changé. Il est venu me voir, il m'a dit « Oh, bah, vous êtes là et tout, il est là !» Il fait quoi? J'en ai baisé des meufs. Je lui fais, mais quel rapport à... Il me dit, tiens, allez, tu vas écouter. On a sorti une bouteille de Beaujolais, gars, on a sifflé à deux. Pensez moi là. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Un petit vito cadeau. Il y a eu des questions, il y a eu des réponses, il y a eu quoi? Permettez-moi de mettre ça, je vois un peu à poil. Pas mal la petite culotte. Elle est dans de l'eau. Ok, je suis chaud comme un gardon. Ok. Il y a de la cave, il y a de la question. La prochaine question, elle est pour Jonathan. On répondait pour le tank. Il y a le tank, en fait, on voit Manu qui conduit un tank. C'est okay. Pas lui qui conduit. Et en fait, c'est pas lui qui conduit, parce qu'en tant que garde, c'est nul, que si tu dépasses le tank, c'est un peu nul. Oui, c'est pour les missions. Mais en fait, Manu était assis sur un humain qui conduisait le tank. C'était un Hongrois qui était pas très lol. Hein? Le Hongrois sur qui t'étais assis. Ah, vous êtes foncés aussi, les gars? Parce que je suis connecté avec une radio, avec Radio Scoop. Radio Scoop. Non, je déconne. Le gars n'était pas sympa du tout. Et en fait, quand j'étais on était sur le char, j'étais assis sur le conducteur. Parce que j'étais sur ses épaules. Voilà. Et en fait, lui, il conduisait. C'était hyper désagréable parce qu'il avait quand même moi sur son cou. J'étais là, tu vois. Et on dirait pas, mais j'étais vraiment assis sur le mec. Et il n'arrêtait pas de dire ça. Très lourd. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tes testicules étaient très lourds? C'est ça que tu veux dire entre les mains? Je parle juste de ma table. Ok. On n'était pas loin. Du coup, j'avais une deuxième question un peu plus sérieuse pour Poulpe. On t'a vu évoluer de YouTube à la télé, avec des émissions d'ailleurs très sympas. Très fan de Crac Crac. Merci beaucoup. Et maintenant au cinéma, est-ce que tu as d'autres projets au cinéma qui sont en cours? Tu peux pas trop nous en parler? Non, là c'est plus mes reprises de télé en septembre. Et puis après, à plus long terme, moi j'ai des trucs en ciné, mais c'est tellement embryonnaire que pour l'instant ça sert à rien d'en parler. D'accord, mais hâte de voir ça quand même. Mais voilà, mais ça se fera, mais c'est vraiment pas tout de suite. Okay. C'est gentil de t'intéresser à moi. C'est parce que tu t'aimes beaucoup. Merci beaucoup. Il nous faudrait 5 ou 6 questions pour Jonathan. Non, j'en ai rien à foutre, moi je vais parler. Allez, ils sont tout là-haut, j'en ai rien à foutre, je vais au magasin. Vous voulez je vais pas manger, moi. Qu'est-ce que tu dis? Pardon, excuse-moi, parle un peu plus fort, je suis bien. Et on peut pas enlever dans un coffre et on les laisse sortir une semaine après. À quand le film de Serge Le Mito? Qu'est-ce que tu dis? À quand le film Serge Le Mito? Descends. 100 000. J'espère, si tout va bien, on tournerait Serge Vito le film en décembre. C'est pour ça que j'ai sorti cette date. Mais il sortira en 2021, certainement, vu qu'il y a énormément d'impôts, c'est 2 mois et demi de montage. Mais pour ça, il dure 8 jours. C'est 8 jours. C'est un film, voilà, je vous demande de vous accrocher, prendre un peu de nourriture avec vous, un réchaud, ou un truc pour tenir la semaine. Merci. Another question. La question est très violente. Oui. T'en as pas marre qu'on te file des rôles de mytho? Oh. Bam, en plein cœur. Il est là le mien. Pour ça que je fais ça. Tu trouves que je mens un peu? Oui, c'est vrai. Non. Non, en vrai, la vraie question sous-jacente, c'est est-ce que t'as envie de jouer d'autres rôles que ce genre de personnage? Parce que c'est vrai qu'on te voit beaucoup dans ce genre de personnage ces derniers temps. Je sais pas. Tu y es très doué. Deuxième mais... Tu trouves que c'est un peu comme Serge Mito, là? Non. Tu trouves un peu que c'est comme Serge Mito, ce rôle? Non. Voilà, je peux le battre jusqu'à la mort, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai. Et en plus, tu viens d'annoncer que tu faisais un projet qui avait rien à voir avec ça très bientôt. Non, c'est vrai. J'ai dit que j'allais faire un film de Serge Mito, pourquoi tu poses cette question? Non, écoute-moi, personnellement, je trouve pas que ce soit Serge. Effectivement, il y a des traits de ma personnalité qui sont un peu, j'ai envie de te dire, un peu de la rocaille, un peu de tout ça, et un peu ce style-là, mais il est, je pense, pas du tout dans le même ADN que ce personnage. Je le trouve pas. Après, si c'est ton goût, eh ben, t'as qu'à le mettre sur Twitter, et puis c'est tout. C'était pas content. Non, mais tu vois, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord avec ce que tu veux dire.
n'est pas toujours, d'ailleurs, il a du mal à... il ment avec un aplomb, mais il ment mal. Il ment avec un gros aplomb, quand elle lui balance les oreilles dans la gueule, il ment avec beaucoup d'aplomb, il dit après, il dit j'ai menti pour pas qu'elle puisse, hein, il dit cette phrase. Alors que Serge est un fou. Parce que en vrai, Serge, on se rend encore dans l'appartement en train d'écouter ce qu'il raconte. C'est vrai. Et ouais, Brad Pitt, il y aurait tous les gars. Il y a une question là. Est-ce qu'il y a des scènes qui ont été improvisées? Il y en a bien sûr. Beaucoup. Il y en a deux. Tout fait. Non mais ouais, on a pris vachement de temps avant le tournage de vraiment mettre nos personnages sur des rails et de savoir vraiment comment ils sont, tout ça. Et sur le tournage, on a vachement improvisé. Les veilles de tournage, on répétait le texte et en fait on improvisait, du coup on gardait les impros pour le tournage du lendemain, tu vois, tous les jours. Et sur le tournage, on a aussi vachement improvisé. Il y a par exemple la scène... pardon, ça va vraiment souper chaud ce soir, c'est très chaud. Et par exemple la scène du champagne où ils fêtent leur centième et que c'est nul. Toute cette scène-là est improvisée de A à Z. Il y a plein de moments, il y avait quoi d'autre? Il y avait la scène des, où on est à la FNAV pour demander l'autorisation. Cette scène est improvisée quand ils sont partis, voilà, tout ce qui est avec la bouteille, tout ça, et tout ça c'est improvisé, tout ça, ça n'existait pas, ça n'était pas à l'écrit. Je sais pas ça. C'est un test, voilà. Oh! Pourquoi justement finir par une scène où le mariage est gâché, raté? Pourquoi finir par cette scène-là? Quoi? La scène de fin. J'ai l'impression que c'est quelqu'un omniscient, qui c'est la salle qui parle. Qui? Non. Alors, je vais te répondre, Mathieu. Pourquoi se finir par un mariage gâché? C'est un mariage, c'est parce qu'on a une grosse happy end juste avant. Quand même, où tout le monde s'embrasse, on a mis exprès « This is the sound of us » et une chanson un peu exprès de Happy End pour marquer le coup du Happy End, donc il fallait quand même qu'on retrouve un peu la tonalité de ce qu'on a raconté, de comment on l'a raconté dans le film, à la fin du film. Et il se trouve que Xavier Jantz, le réalisateur, avait cette idée de filmer un générique de fin comme on n'en fait jamais en France en fait, et que ça aurait été beaucoup moins joli à filmer si c'était un mariage heureux, si on avait fait une ronde par exemple, ou un truc comme ça, si on coupait un morceau de gâteau. Il se trouve que ce film-là, il raconte aussi deux mecs qui ont créé un monstre. C'est-à-dire que ces gars-là ont tellement bien travaillé, ils ont tellement maîtrisé leur sujet, c'est tellement de tête, nous dans le film, mais les vrais mecs le sont vraiment, que leur sujet, leur idée, c'est retourner contre eux. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a fini sur un toit, tellement ils leur ont montré ce que ça pouvait être la fête, le gars ne veut plus aller se marier. Donc il fallait aussi qu'on reste un peu dans l'ADN de ce qu'on racontait, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de l'idée, aller monter l'idée et lui faire prendre ce risque de tomber et de mourir, raconter que non, elle n'est pas tombée, elle n'est pas morte, mais que c'est pas Rose non plus. Et l'aventure, elle continue. Ils sont dans 15 villes, t'imagines, ça c'est une ville. Ils sont aujourd'hui dans 15 villes en Europe. Tous les week-ends, ils partent, ils prennent l'avion en urgence parce qu'il y a une connerie qui s'est passée dans un pays ou un autre. Les mecs n'ont plus de vie. Ça, c'est vraiment le cadet de leur souci, un mariage qui se passe pas. Mais tous les EVG se terminent par un mariage. Les EVG, c'est le concept du film, hein, c'est que l'EVG, c'est juste pour enterrer la vie d'un gars, et après il va se marier. Mais c'est le mariage. Mathieu, t'es marié? Tu vas voir ce que c'est. Ça se passe dans cet ordre-là, tu vas enterrer ta vie de garçon, puis après tu te maries. Hein. C'est-à-dire, si tu entends sur la voix de. Je sais même pas pourquoi je t'explique ça en fait, mais je te le dis quand même, si tu entends sur la voix off de fin. Ils disent, voilà, en fait, notre cœur de métier à nous, c'est de on s'est engueulé dans la boîte au début. Au début, j'ai dit, notre cœur de métier, c'est que les mecs, ils se marient à la fin. Moi, j'ai dit non. Et lui, non, notre cœur de métier, c'est que les mecs, ils passent en week-end d'eau. Ils fêtent un cas. Et à la fin, on redit, notre cœur de métier, c'est quand même que les mecs se marient à la fin. Et moi, j'ai dit non. Et non, sinon, j'ai dit oui. J'ai dit oui, sauf que là, on va pas la rencontrer Mickey. Exactement. Donc, c'est juste la fin qui répond au début. Il faudrait qu'on se parle, peut-être Mathieu m'a en privé. Et aussi, je voulais te dire que je te hais. Tu me diras tout à l'heure, on se parlera plus longtemps. On se parlera, vraiment. Parce que j'ai pas trop compris ton délire. Mais il m'intéresse. Non, mais il trouvait que c'était un non-sens par rapport au film, qu'en fait, il y a un mariage. Il y avait un mariage. Mais oui, mais c'est ça que je comprends pas dans cette tête. C'est ça que j'essaie de dire depuis le début, je crois qu'il est insensé. Et en fait, ta meuf a honte. Tu rentreras en vélo. Moi je te trouve super Mathieu. Moi je te trouve super aussi. C'est faux. Non, je te trouve moyennement super, mais je te trouve cool. Si tu veux la demander en mariage là maintenant, vas-y. Tu veux la demander en mariage?
Non. Non, non, non. Tout le public a dit non, improvisé.